Lisa cherche l'amour. Vous connaissez tous l'amour est dans le pré? Oui. Pour elle, j'organise l'amour est dans la cité. C'est quoi ça? C'est très simple. Chaque semaine, deux prétendants de nos abonnés vont venir te séduire. J'hallucine. On les connaît pas, mais tu vas passer des dates, des moments intimes avec eux. C'est pas carrément. Eh, vas-y, ta gueule. Tu vas en éliminer un chaque semaine. Incroyable. Ça va durer un mois. Et à la fin de ce mois-là, Maïssa finit le célibat. Wallah, ouais. Ouais, que t'es belle comme un cœur. Genre... Mais faut pas pleurer, Chico. Je suis pas carrément, je suis tendu. Pourquoi? Parce que t'es sérieux, les abonnés vont me voler Maïssa. Ils vont nous voler Maïssa. Oh, c'est simple. Chaque prétendant qui va venir, je vais foutre la merde. Je vais pas le laisser de répit. Karim, t'es sérieux? Attends. Donc là, tu peux me gâcher tous les dates de Maïssa. Je vais tout gâcher, comme ça, tu sais. Tout. Mais tout ce que je fais, moi, c'est pour toi. Mais comment c'est pour moi? Attends, je t'explique. En fait, là, on va ramener des abonnés à Maïssa. Et toi, tu vas lui montrer que t'es mieux que ses abonnés. Ouais, t'as raison, j'ai fait de la merde, ils vont tous partir. Voilà. Voilà, Chico, vas-y, cours, Chico. Non, mais en vrai, de vrai, les gars, on est pauvres, mais qu'est-ce que... Ça fait combien de temps vous m'attendez? Deux jours. Mais arrêtez de mentir, les gars, s'il vous plaît, la vérité. Vas-y, deux heures. Bah, allez vous acheter une boisson. Eh, hey, les gars, partagez. Vas-y, allez. Non, mais c'est quoi cette paire de rôti de bœuf? Voilà des saucissons secs. Hey, moi, ma femme, elle peut pas mettre des chaussures comme ça. Hors de question, moi, au moins, je sais qu'elle aime mes chaussures. Du coup, je vais t'acheter une paire de chaussures. Moi, je suis un gangster. Dans le club, je danse pas. Y'aura pas de... Une magnifique paire de TN du rayon homme pour Ismo et une magnifique paire de New Balance pour Inès. J'ai pris une paire à Inès aussi car j'ai promis d'être un homme juste. Oh là 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 là. Oh, cette sensation, tout homme devrait la ressentir au moins une fois dans sa vie. Mais tu veux quoi? Tu veux que je te ramène Valo? Ramène-le. Mais je vais pas te le ramener, tu vas le taper, t'as un casque. Je t'ai dit ramène-le. Arrête de faire le fou comme ça, viens je te parle, viens je te dis un truc. T'es énervé parce qu'il a embrassé ta meuf. Et bah je te jure, il a même dormi avec ta meuf. Hein? Pourquoi tu es stressé? Viens là. Regarde, il se coque le numéro dans le rouge. Il a dit tes fesses blanches aujourd'hui, viens, il va les rendre rouges. Pourquoi tu es stressé? Non, mais en vrai de vrai, les gars, on est... En attendant que Valo arrive pour en découdre avec Fetri, Inès veut que je lui apprenne à parler l'arabe. Oui. Tu veux que je t'apprenne à dire quoi? Inès est la plus belle femme du monde. C'est très simple. Ateni nekul khara fitopse. Ateni nekul khara fitopse. Topse. Topse. Ateni nekul khara fitopse. Ateni nekul. Hala, fit top seal. Voilà, vas-y, c'est merci, bien. Merci, je vais enfin pouvoir dire à mon père. Je t'ai dit, hala, fit top seal. Je vais aller à mon petit. Hein? Oh, fais tomber. Attends, ça veut dire quoi pour toi? Bah, que je suis la plus belle femme du monde. Voilà, bah. Non, si, si.